Bonjour, mes chers étudiants. Une fois on a déterminé la taille de l'échantillon, on doit ensuite procéder au tirage des éléments qui vont composer l'échantillon en utilisant une méthode parmi les méthodes d'échantillonnage. Il existe deux types de méthodes d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage aléatoire et les méthodes d'échantillonnage par choix raisonné, dites non aléatoires. On utilise ces méthodes non aléatoires lorsque on ne dispose pas de base de sondage ou bien lorsqu'il est très coûteux de réaliser un sondage aléatoire. Dans cette vidéo, je vous présente les différentes étapes à suivre pour choisir les éléments d'un échantillon en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire simple. Cette méthode aléatoire simple consiste à tirer au hasard petit n individus parmi grand N individus de la base de sondage numérotée de 1 à grand N. On choisit au hasard les éléments de l'échantillon parmi les éléments de la population totale, c'est-à-dire qu'on associe à chaque élément de la population la même probabilité d'être tiré dans l'échantillon. Donc, pour utiliser déjà cette méthode d'échantillonnage aléatoire simple, premièrement, on doit construire la base de sondage. Et la base de sondage, c'est la liste complète des éléments de la population sans répétition. Puisque le choix des éléments de l'échantillon est au hasard, alors, chaque élément de la base de sondage a la même probabilité d'être tiré dans l'échantillon et cette probabilité est égale à 1 sur grand N, puisque la probabilité de la population totale elle est égale à 1. Donc, petit n, c'est la taille de l'échantillon. Et grand N, c'est la taille de la population. On a la probabilité de la population totale. Donc on suppose qu'on a dans la population totale grand N éléments. Et la probabilité de la population totale est égale à 1. Et on a le choix il est au hasard, donc la probabilité de tirer le premier élément égale à la probabilité de tirer le deuxième égale à la probabilité de tirer le ième élément dans l'échantillon, et la probabilité de la population totale est égale à la probabilité de tirer le premier élément plus la probabilité de tirer le deuxième élément jusqu'à le ième élément. D'accord? Les éléments déjà E1, E2 jusqu'à EN sont disjoints, donc sont disjoints ou bien différents. Donc la probabilité de la réunion égale à la somme des probabilités égale à 1. Et puisque on a l'égalité entre les différentes probabilités des différents éléments de la population, donc la somme des probabilités du premier élément, deuxième jusqu'à le énième élément, est égale à la probabilité de E1 plus la probabilité de E2 qui est égale à la probabilité de tirer le premier élément, E3 qui est égale à la probabilité de tirer le premier élément, jusqu'à EN qui est égale à la probabilité de tirer le premier élément et la somme est égale à 1.
Donc, on a la somme des probabilités de E1 combien de fois? Grand N fois égale à 1. Donc, la probabilité de tirer un élément dans l'échantillon parmi les éléments de la population, il est égal à 1 sur grand N, avec grand N, c'est la taille de l'échantillon. Donc, on associe à chaque élément de la population une probabilité qui est égale à 1 sur grand N d'être tiré dans l'échantillon. Et le nombre d'échantillons différents qu'on peut tirer de la population est égal au nombre des combinaisons de petit n éléments parmi grand n éléments, qui est égal à n factoriel sur petit n factoriel sur grand n moins petit n factoriel. Donc on peut tirer ces petit n parmi grand n échantillon dans la population de taille grand N. Pour faire le choix au hasard, on utilise soit Excel ou un logiciel de statistique permettant ou bien qui génère des nombres aléatoires. Par exemple, avec Excel, on utilise la fonction alia pour générer des nombres aléatoires. Soit on utilise la table des nombres aléatoires pour choisir au hasard les éléments de notre échantillon. Donc on verra dans la suite comment on utilise la table des nombres au hasard pour choisir les éléments de l'échantillon parmi les éléments de la population totale. Donc, dans cette vidéo, on verra la deuxième méthode pour faire le choix au hasard des éléments de l'échantillon. À partir de cet exemple, on verra les étapes à suivre pour choisir un échantillon, les éléments d'un échantillon en utilisant cette méthode aléatoire simple. Donc, on suppose qu'on a la liste des étudiants de 32 étudiants suivantes. Utilisez la méthode d'échantillonnage aléatoire simple pour choisir un échantillon de 10 étudiants. Donc, on suppose que la taille de l'échantillon est égal à 10 et 32, c'est grand N, c'est la taille de la population. Pour cet exemple, pour utiliser cette méthode aléatoire simple, il faut procéder de la base de sondage, c'est-à-dire de la liste complète de toutes les unités de la population sans répétition. Donc, la liste suivante représente la base de sondage. Étudiant. Comment? On verra ça dans la suite. Donc, premièrement, on doit numéroter les étudiants de cette base de sondage. Ensuite, on choisit d'une façon aléatoire 10 numéros entre 1 et grand N, entre 1 et la taille de la population. Pour faire le choix des étudiants ou bien des 10 numéros d'une façon aléatoire, on doit utiliser la table des nombres au hasard. Donc, vous avez ici la table. C'est un extrait de la table des nombres au hasard. La table des nombres au hasard est une table
où chacun des chiffres, où chaque séquence de chiffres a la même probabilité d'apparaître. Donc, lorsqu'on utilise la table des nombres au hasard, on est sûr que notre choix est au hasard. Ou bien, il est aléatoire. Donc, on utilise la table des nombres au hasard pour choisir aléatoirement notre échantillon. Donc, comment on va utiliser la table pour choisir aléatoirement notre échantillon? En suivant les étapes suivantes. Donc, premièrement, on doit choisir au hasard un chiffre dans la table. C'est le point de départ pour lire les numéros des éléments de l'échantillon à partir de la table des nombres au hasard. Donc, on choisit par hasard le chiffre de la ligne 5 et la colonne 2 de la table des nombres au hasard. Donc, c'est le chiffre de la ligne 5 et la colonne 2. Hein? Là, c'est la première ligne, la deuxième ligne, la troisième, quatrième et la cinquième. Et la première colonne, la deuxième colonne, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Donc, le point de départ, c'est le chiffre de la ligne 5 et la deuxième colonne. C'est le 4. Ensuite, on doit choisir un sens, pardon, de déplacement dans la table. Comment on va déplacer dans la table? Donc, on a plusieurs sens de déplacement. On peut lire les chiffres de la gauche vers la droite et de haut vers le bas, ou bien de la gauche vers la droite et de bas vers le haut, ou bien de la droite vers la gauche et de haut vers le bas, ou bien de la droite vers la gauche et de bas vers le haut. En utilisant n'importe quel sens, le choix, il est toujours aléatoire en utilisant la table des nombres aléatoires. Donc le sens le plus simple, c'est le premier sens. On a toujours l'habitude de lire les chiffres d'une table de la gauche vers la droite et de haut vers le bas. Donc on choisit ce sens-là. On va lire les chiffres dans ce sens à partir du chiffre 4. Ensuite, de haut vers le bas. C'est-à-dire, dès qu'on termine à lire les chiffres de la ligne 5, on passe à lire les chiffres de la ligne 6, ligne 7, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne le numéro du dernier élément de l'échantillon. On doit lire les numéros sans répétition, c'est-à-dire que chaque numéro doit apparaître au plus une fois, pas plus d'une fois, et on doit lire les numéros par combien de chiffres? Le nombre des chiffres des numéros est égal des numéros des éléments qu'on doit choisir dans notre échantillon est égal nombre des chiffres de la taille de la population. Car de grand N. Donc pour cet exemple, c'est le nombre de 10 chiffres de 32. Donc pour 32, on a combien de chiffres? On a deux chiffres. Donc on doit lire les numéros par deux chiffres. C'est-à-dire que chaque deux chiffres représente un seul numéro. Donc, le premier chiffre, c'est 4. Et le deuxième chiffre du premier numéro, c'est 0.
Donc finalement, c'est le numéro 40. 40, il est supérieur à 32. On a seulement 32 étudiants. Donc on ne doit pas choisir un numéro qui est supérieur à 32. D'accord. Forcément, les numéros, d'accord, ils doivent être entre 1 et grand N, et la taille de l'échantillon. Donc le premier numéro, c'est 40. Il est supérieur à 32. Donc on ne retient pas ce numéro. On passe à lire le numéro suivant. Donc chaque deux chiffres représente un numéro. Le suivant, c'est 38, 00, 42, 14, 9, 5, donc 95, 49, 17, 78, 50, 04, 56, 82, 31, 29, 42, 34 et 4. Donc, je dois lire les chiffres de la ligne suivante pour lire les numéros des autres étudiants de l'échantillon. Donc, le dernier chiffre de cette ligne 5, c'est le premier chiffre de le numéro suivant. Le deuxième chiffre de ce numéro, c'est le chiffre de la ligne 6, puisqu'on a choisi à lire les chiffres de haut vers le bas. D'accord? Donc, c'est 44. Ensuite, 22, 85, 27, 30, 64, 13, 74, 74, 73, 15, 29, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on obtienne 10 numéros qui sont entre 1 et grand N et sont différents. Donc, on obtient le même numéro une deuxième fois, on ne le garde pas, on passe à lire le numéro suivant. Donc on a 40, ensuite 38, donc c'est pas 38, il est supérieur, donc on ne retient pas ce numéro. 00, il n'est pas entre 1 et N, donc on ne retient pas ce numéro. Donc ensuite 42, c'est pareil. Il est supérieur à la taille de la population. 14, c'est le numéro du premier étudiant qu'on doit choisir dans l'échantillon. C'est le premier numéro qui est entre 1 et grand N. Donc ensuite, 95, ainsi de suite. Donc les numéros qui sont entre 1 et grand N sont les suivants. 14, 17, 04, 31, 29, 22, 27, 30, 13 et 15. Donc le dernier, c'est l'étudiant numéro 15. Donc on a ici combien de numéros? On doit lire 10 numéros. Là, c'est la taille de l'échantillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc l'échantillon. Égal à l'ensemble des étudiants dont les numéros sont les suivants. Donc le premier étudiant, pardon, c'est l'étudiant numéro 14, ensuite l'étudiant numéro 15, jusqu'à le dernier, pardon, 17, le deuxième c'est 17, 15 c'est le dernier, jusqu'à l'étudiant numéro 15. Donc finalement, l'échantillon est égal à l'étudiant numéro 14. Je remplace chaque étudiant par son prénom. Donc 14 c'est Fatiha, 17 c'est Mehdi, ainsi de suite. Donc finalement, on constitue l'échantillon en sélectionnant les étudiants correspondant à chaque numéro, ce qui donne Fatiha, Mehdi, Sarah, Hanan, jusqu'à le dernier, c'est l'étudiant numéro 15. D'accord, c'est Youssef. Donc, lorsqu'on utilise la table des nombres au hasard pour choisir les numéros des étudiants qui vont composer notre échantillon, on est sûr que le choix, il est
aléatoire. Donc, l'utilité de la table des nombres au hasard, c'est de sélectionner au hasard ou bien aléatoirement les éléments de l'échantillon.